Donc, je vais quand même prendre la parole en vous disant que, un, Karine n'y est pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ce n'est pas Karine Jacques, mais Karine Martin est là. Donc, je prends la relève de Karine aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, aujourd'hui, nous avons donc un horaire bien chargé, mais hyper constructif. Attendez, je vais essayer de retrouver mes notes. Donc, document collaboratif. Karine Martin va être là pour faire en sorte qu'on puisse avoir tout ce qu'il faut là, dans le document collaboratif. On va avoir, bon, il y a projet spécial Teva, il y a notre Annie, pas Annie, Sonia, c'est-à-dire qui a un petit mot à nous dire. Je vais te donner la parole, ça ne sera pas long. Ensuite, on a Camille Jutras-Dupont qui va venir nous présenter là, la phase 3, hein, je crois, là, de lire pour apprendre. C'est bien ça, hein? C'est la phase 3, hein? En fait, c'est une extension, j'ai envie de OK, dire. parfait. Donc, voilà. Il y avait aussi une réflexion qu'on voulait avoir sur le rôle des parents en formation professionnelle. Et il y a aussi, excusez, j'ai de la misère avec mes foyers, c'est des nouvelles lunettes. C'est Interpe Amélie qui a ajouté un point par rapport à où elle souhaitait une interprétation, une discussion, une réflexion autour de la mesure d'adaptation numéro 6 de l'infosanction. Ben, puis en fait, si je peux juste me permettre d'ajouter, je trouve que tous les points sont vraiment intéressants, puis je veux comme rien manquer. Moi, par contre, hier, Karine, elle a envoyé un courriel de rappel, puis elle avait dit de 9 h à 10 h dans son Ouais, moi courriel de aussi. rappel. Fait que moi, je me suis pris quelque chose de 10 h à 10 h 30. Fait que j'imagine qu'on ne se rendra pas à mon point, mais ceci dit, c'est pas grave. Je suis pas en train de. Je veux absolument pas passer avant un autre point, parce que ça veut dire que je manquerai cet autre point-là, puis je veux pas. Donc, ce que je dis, c'est que si on ne se rend pas, ce qui est fort probable, on va le pelleter en avant à la prochaine rencontre. Moi, il n'y a pas de souci, là. C'était pas, Parfait, je m'en occupe. y avait pas une priorité là, aujourd'hui, maintenant, là. Donc. Merci, Amélie. Puis c'est la même chose pour moi, Karine. Il va falloir que tu prennes la relève de 10 h à 10 h 30 parce que moi, je m'étais mis un engagement aussi là, à 10 h. Donc, Sonia, est-ce qu'on te donne la parole quelques minutes pour que tu nous parles de tes nouveaux projets? Bien, en fait, tout le monde va avoir le temps de parler parce que c'est pas très long. Donc, comme j'expliquais un petit peu rapidement tantôt, j'ai changé de chaise. Je suis rendue conseillère pédagogique au service des ressources éducatives. Puis, une grande partie de ma tâche, en fait, va être de faire du développement au niveau de la TVA. C'est sûr que dans chacun des centres de services scolaires, là, il y a des choses qui se font au niveau de la TVA, mais c'est de développer ça et d'essayer d'uniformiser le plus possible la structure puis les démarches qui sont présentement utilisées. Donc, de mon côté, ce que j'observe, c'est que c'est sûr qu'au secondaire, là, au niveau des classes d'adaptation scolaire, il y a quand même une démarche qui est implantée. Ce que je voulais voir, c'est pour avoir été orthopédagogue en FP, c'est que souvent ces plans de transition-là n'arrivent pas en FP. Donc, on les voit pas, on sait pas les élèves qui les ont. Est-ce qu'une fois rentré chez nous, chez nous, en FP, tu vois, je suis pas encore partie. Quand que nos élèves arrivent en FP, est-ce que pour certains élèves qui arrivent de parcours plus particuliers, est-ce que ce serait pertinent de mettre en place des TVA, tu sais, si je pense par exemple à nos élèves qui arrivent puis qui sont échec, double échec, puis échouent beaucoup de compétences, est-ce qu'il y aurait matière à faire des plans de transition TVA à ce niveau-là? Donc, je voulais voir avec vous là, qu'est-ce qu'il en était au niveau de vos centres respectifs, tu sais, au niveau de la FGA, de la FP. Est-ce que vous en faites des plans de transition TVA? Est-ce que vous les recevez? Est-ce que vous les voyez? C'était beaucoup un questionnement. Donc, je ne veux pas prendre plus de temps. S'il y a quelqu'un qui veut adresser de vive voix, c'est beau. Sinon, mon adresse courriel est restée la même. Donc, s'il y a des gens qui veulent communiquer avec moi pour échanger, avec Karine Jacques, on a parti un mini-groupe de réseautage Teva. Oh, c'est bon ça. Oui, donc on n'était pas beaucoup. Il y avait Karine, puis on était trois autres personnes qui ont assisté à la rencontre, mais je me dis que d'en parler ici, il y a peut-être des gens qui vont vouloir se joindre au groupe de réseautage.
Si jamais vous avez des TVA à faire dans vos milieux puis que vous avez envie de partager les pratiques avec nous. Donc, on avait une CP du Centre de services scolaires des Chic-Chocs qui était là. Donc, c'était intéressant. Puis, on avait quelqu'un, une agente de développement du Centre de services scolaires de Laval. Donc, si d'autres personnes ont envie de se joindre à nous, je pourrais partager les informations de notre prochaine rencontre là, avec la date et l'heure dans le clavardage tantôt ou dans le document collaboratif. Sonia, moi, je t'invite à peut-être nous faire un visuel qu'on pourra mettre sur notre page Facebook. Tu sais, puis, on va identifier aussi dans notre document collaboratif. Karine, elle a tout noté ce que tu as dit. J'invite aussi les gens, si vous en entendez parler ou si vous avez développé ce programme-là ou cette passerelle-là, bien, de l'écrire dans le document collaboratif ou encore dans le clavardage. Donc, je pense que ça va être la meilleure façon de faire pour justement permettre qu'on puisse passer à travers tout l'enjeu, puis prendre le temps aussi que tu puisses discuter. Il y avait Amélie qui avait levé la main. Oui, en fait, rapidement, moi, je trouve ça super intéressant, Sonia. Puis Effectivement. moi, je vais passer la POC, dans le fond, aux gens de mon équipe qui C'est ça. s'occupent. Nous, on a un plan d'action sur les transitions. Bon, oui, tu sais, je suis impliquée, là, je fais partie par la bande des réflexions, mais il y a vraiment, il y a deux CP qui portent ce dossier-là. Donc là, moi, tout de suite, je vais les mettre au courant de ton nouveau rôle, de cet espace de collaboration puis de réseautage-là aussi qui est disponible. Puis là, tu as dit que ton adresse courriel, c'était la même. Puis là, je me suis dit, waouh, je vais aller voir dans le tableau. Tu peux-tu juste l'ajouter dans le tableau des présences? C'est ce que je suis en train de faire avant que Nathalie me passe la POC tantôt. Hein. Fantastique. Je termine ça dès qu'on a terminé ça. Génial, merci. Merci. Karine Martin, tu avais levé la J'ai main. baissé ma main parce que je voulais juste avoir l'adresse de Sonia, moi aussi, parce que OK. je ne pouvais pas, mais je voulais l'ajouter. Fait que c'est merveilleux. C'est bon. Ça va vite dans ce temps-là. Hein? C'est génial, génial. Merci Sonia. Puis, tu peux rester avec nous toute l'heure de la rencontre. Hein? On Ben oui, merci t'accepte, on d'avoir de t'accepte, vos on nouvelles. t'accepte. Tu seras toujours une orthopédagogue de la FP, ça c'est sûr et certain. Ensuite, on avait réflexion sur le rôle des parents à FP, puis il y avait l'interprétation, discussion autour de la mesure numéro 6. Là, je ne sais pas, est-ce que vous souhaitez qu'on passe ces deux points-là avant Camille ou on passe lire pour apprendre avec Camille? Là, au niveau protocolaire, je ne le sais pas trop, là. Je ne sais Moi, pas trop mon comment. point, là, personnellement, moi, je le garderai vraiment pour Pour la la fin, prochaine. puis on n'aura pas le temps. Donc, la prochaine fois, moi, c'est bien OK. correct. Je préférerais personnellement. Moi, je ne suis pas la porte-parole de personne, là. Non, c'est Mais moi, correct. d'entendre lire pour apprendre, c'est sûr que moi, j'ai un intérêt particulier pour ça, là. Fait que. Donc, est-ce qu'on y va pour ce point-là? C'est ça l'objectif de la rencontre. On y va pour ça. Alors, Camille, merci d'être là. Puis, je te laisse les rênes. Bonne, Mais bonne, bonne formation. Merci. mon Dieu, ça ne sera pas une formation. En fait, aujourd'hui, je viens faire du recrutement, mais avant d'embarquer dans cette discussion-là, d'abord, je tiens à vous dire merci beaucoup de m'accueillir. Quand Nathalie, vous avez dit, quand tu as été un ortho de la FP, tu le restes pour toujours. Ben, moi, ça me touche bien gros parce qu'effectivement, j'ai aussi été ortho en FP. Je suis tombée en amour avec ce secteur éducatif-là. Puis vraiment, je l'aime d'amour. Puis j'ai décidé justement de continuer au doctorat en m'intéressant aux élèves à besoins particuliers, précisément de la FP. Ce qui m'amène en fait à vous parler aujourd'hui de mon projet doctoral, qui, oui, effectivement, est une extension du projet de recherche de la professeure Annie Dubo, qui s'appelait Mieux lire des textes de métier, qui a permis de développer en fait, puis de mettre à l'essai le programme Lire pour apprendre. Je pense que vous en avez entendu parler de ce merveilleux programme qui est largement apprécié dans les milieux où il a été implanté. Là, je cherche du regard, mais Nadia, en fait, devint le mis à l'essai. Elle l'a permis, grâce à ses commentaires, de le bonifier. Et justement, on arrive à un moment avec ce projet-là
où on doit valider son efficacité auprès des élèves qui l'expérimentent. Et c'est ce que ma thèse va chercher à faire. Donc, vraiment, aller voir si l'enseignement explicite de stratégie de lecture est bénéfique et soutient la lecture finalement. Donc, on le sait que le programme il est bien implanté, on le sait qu'il est apprécié des élèves. Les inputs, excusez-moi l'anglicisme, qu'on reçoit, c'est que ça fonctionne, mais d'un point de vue vraiment spécifique sur quels aspects de la lecture il fonctionne, ça, on ne le sait pas encore. Puis c'est ce qu'on veut savoir. Donc, moi, je cherche actuellement des milieux qui accueillent des élèves du secteur administration, commerce et informatique et qui sont en formule individualisée pour justement mettre à l'essai ce programme-là. Je cherche deux types de milieux là, selon votre réalité, là, j'ai envie de vous dire. C'est ça qui est en fait un peu intéressant là, de mon projet. C'est que je cherche tant des milieux qui veulent le mettre à l'essai que des milieux qui, peut-être, c'est pas une bonne, c'est peut-être pas un bon moment cette année pour le mettre à l'essai. Donc, vraiment, deux types de milieux parce que j'ai besoin d'un milieu expérimental et j'ai besoin d'un milieu témoin. Dans les deux cas, je forme votre équipe gratuitement. C'est mon cadeau que je vous offre, mon incitatif, autrement dit. C'est juste que le milieu expérience doit mettre à l'essai le programme cette année, là, d'ici la fin de l'année scolaire auprès de leurs élèves, être prêt à m'accueillir pour que je vienne sonder les élèves avec un questionnaire à deux reprises, une fois avant la mise en place du programme, une fois après. La mise en place du programme, c'est entre 3 et 4 semaines. Donc, ce qu'on vous invite à faire, là, c'est animer un atelier par semaine pour initier vos élèves à lire pour apprendre. Si vous, si cette année, là, ce n'est pas un bon moment pour mettre en place le programme, mais que vous vous dites, vous avez entendu, tu sais, formation gratuite, puis vous vous dites, hey, ça, c'est vraiment cool, tu sais. Mais vous pourriez être un milieu témoin, j'ai envie de vous dire. Un milieu témoin, ce que ça implique pour cette année, en fait, c'est simplement de répondre à un questionnaire à un temps 1. 4 semaines plus tard, moi, je reviens, puis je fais passer un questionnaire temps 2. Donc, les élèves n'ont pas l'expérimentation du programme. C'est vraiment un groupe contrôle là, qu'on appelle. Mais je vous forme quand même gratuitement au terme de cette collecte de données-là. Donc, je me déplace. Je viens vous donner une formation d'un jour sur le programme Lire pour apprendre. Nadia pourra vous en parler un peu. Elle a vécu la formation, elle, à Montréal ou à l'UQAM, si je me souviens bien, Nadia. Donc, dans ce cas-ci, moi, je me déplace dans votre centre et je suis prête à faire de la route. Je suis allée former des équipes à Val-d'Or et je m'en vais former des équipes au Lac, non, au Saguenay, pardon. Faut pas se mélanger entre Saguenay puis Lac-Saint-Jean. Hein. Ça, faut pas faire ça. Fait que je m'en vais au Saguenay aussi former des équipes. Fait que peu importe vous êtes où, là, je me déplace pour venir vous voir. Donc, voilà. Je vous apporte aussi le matériel si vous êtes un groupe expérimental. Il faut le savoir, il y a des guides que vous avez peut-être vus sur le site de l'Observatoire, sont imprimés pour vos élèves. Donc, voilà, si vous avez plus de questions là, sur ce projet de recherche-là, n'hésitez surtout pas à me faire signe. Puis là, je vais mettre dans la conversation mon courriel. Fait que vous pouvez me rejoindre, là, puis je sais qu'aujourd'hui, tu sais, vous avez beaucoup de choses à votre agenda, fait que n'hésitez pas à m'écrire vos questions. Et ça va vraiment me faire plaisir d'y répondre. Je ne sais pas si j'ai été claire dans ma présentation, fait que si je ne l'ai pas été, écrivez-moi, puis ça va me faire plaisir de vous donner plus de détails. Puis je pense que je peux vous déposer mon... Est-ce que j'ai le droit, Richard, de déposer mon PDF Oui. dans le... Mais aller dans le Ben, super. clavardage, je vais le déposer dans la bibliothèque. Ah, ben super. On a une Fait que je vous bibliothèque. Fait que si tu mets mets dans le clavardage, moi, je vais mettre dans la bibliothèque pour les consultations futures. ça. OK, super. Ben, je vais vous déposer ça. Puis, ben, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions pour moi très rapidement? Oui, Amélie?
Bon, moi, j'ai décidé que je prenais la parole très souvent aujourd'hui. En fait, ben, je trouve ça super intéressant. Puis là, je me disais, ah, ben oui, c'est parfait, Emika. Ah, mais là, j'ai lu un milieu qui n'a jamais participé au programme Lire pour apprendre. Et là, j'ai été envahie par la déception. Donc, c'est juste ça que je voulais dire. Ben voilà, mais reste que. C'est ça, parce que moi, c'est quelque chose qui a eu lieu, mais c'était avant là, que je sois CP en FP, fait que j'étais pas là à l'époque. C'est ça. Je pense qu'ils ont participé là, initialement au projet avec Mme Dubault là, à l'époque. Oui, bien, si, en fait, c'est surtout qu'on veut que les élèves n'aient pas été soumis. Au programme. Donc, si jamais votre milieu est intéressé, mais qu'ils n'ont pas été soumis au programme, ben c'est quelque chose qui est possible aussi, là, Amélie, là, j'en OK. Dire. Donc, l'enjeu, c'est pas tant par rapport au centre, mais par rapport aux non. élèves. Puis là, ben, vu Ouais. le nombre d'années que ça fait, ben, quoi qu'on sait jamais, là, mais c'est comme le taux d'élèves qui était là devrait être relativement nul. OK. Bon, mais c'est Oui, bon, mais. puis. Ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement contrôler là, dans les OK. questionnaires, tu sais. OK. C'est-à-dire que vous laissez l'élève participer, tu sais, puis moi, dans mon questionnaire, je prends pas en compte ces données-là, tu sais. OK. Ben, c'est bon. Tu sais, c'est sûr que là, tu sais, moi, je suis CP pour les EBP au CSSDM. Fait que, tu sais, je travaille avec nos 9 centres de formation professionnelle. Tu sais, oui, on a un centre où il y a ces programmes-là. Fait que, tu sais, bien sûr que là. Je ne peux pas me commettre là, dans le sens où il faudrait que je voie avec les CP du centre là-bas, c'est quelque chose de possible et tout. Mais bref, j'ai tout pris ça en note, puis j'ai pris ton adresse courriel aussi, fait que je te contacterai selon la suite des choses. Ben merci, merci beaucoup. Oh, il y a un engouement. Je Oui, m'attendais vas-y, pas à ça Roxane. ce matin. Oui, bonjour Camille. Allô, Roxane. En Je pense qu'on fait, s'est déjà vu. Oui, dans d'autres projets. En fait, ben nous, on a le programme. Là, moi, je suis du côté de Québec. On a là, le programme de soutien informatique en individualisé. Je voulais savoir, en fait, pour le groupe qui est expérience, en fait, nous, les élèves actuellement, ils ne l'ont jamais vécu. Donc, quand tu dis, tu sais, que tu es prête à te déplacer pour former, puis tout ça, tu sais, il y a moi ici comme ortho, mais est-ce que, dans le fond, on joint d'autres membres de mon Oui, centre ben, qui participent oui. également ou... Ben, en fait, j'ai envie de vous dire, tu sais, moi, pour que je me déplace pour vous donner ma petite formation gratuite, là, ben, petite est quand même longue, là, c'est une journée complète. Mais en fait, ce que je demande, c'est que minimalement, on ait un groupe. Mais je peux former d'autres équipes enseignantes ou d'autres orthopédagogues qui seraient intéressés, mais qui ne veulent pas nécessairement l'implanter tout de suite. Fait qu'autrement dit, là, quand je suis allée à Val-d'Or, pour vous donner l'exemple, là, parce que je pense qu'il est parlant, j'ai une équipe, un programme qui participait à la recherche avec leurs élèves, mais j'ai quand même formé là, plusieurs enseignantes, plusieurs, et la CP et l'orthopédagogue. Donc, on était comme on était environ 8 là, pendant la formation, mais il y a juste une enseignante avec son orthopédagogue qui l'ont mis en place dans leur milieu pour les fins de ma recherche. Fait qu'autrement dit, je ne sais pas si ça répond à votre question, Roxane, mais oui, je me déplace pour former plus qu'une personne parce que sinon, ce serait comme un peu plate de laisser le centre sur sa fin, là, de juste former un prof. Puis en plus, ça fait en sorte que la formation est moins vivante, là, j'ai envie de dire. Parfait. Puis en fait, oui, ça répond. Merci. Puis dans le fond, quand on l'implante, on le vit en équipe ortho-prof aussi. OK, On le parfait. vit, oui, Nadia a fait oui de la tête. Oui, c'est ça, en fait. C'est qu'on le vit en dyade, donc un ortho, un prof. Puis c'est vraiment ce jumelage-là. J'en ai pas beaucoup parlé là, dans ma présentation, mais c'est ce jumelage-là qui est gagnant, qui fait en sorte qu'il est aussi bien implanté, ce programme-là. C'est la force de ces deux personnes-là combinées qui permet vraiment, là, j'ai envie de dire, de faire des petits miracles, là. Parfait, merci. Bienvenue. L'intérêt grandit. Nadia, vas-y. Ben, écoutez, moi, c'est sûr que je suis vendue, là. C'est vraiment, c'est un gros wow pour moi d'avoir participé à ce projet-là avec une enseignante de comptabilité. Puis, comme tu le dis, Camille, ça, pour elle, ça a tout changé.
dans son enseignement en individualisé. Pour notre diade aussi, parce qu'on travaillait déjà ensemble, mais là, on se complète encore mieux, puis on rencontre maintenant presque toujours les élèves en diade pour intervenir. C'est vraiment, en tout cas, c'est concret, c'est pratique. Tous les jours, on l'utilise encore, que ce soit pas nécessairement, là, on va repartir un groupe d'élèves avec encore quatre ateliers, mais au quotidien, ça nous sert tout le temps, que ce soit elle en individuel avec ses élèves, quand ils posent des questions, elle sait tellement mieux comment intervenir. Puis quand on les rencontre en diable, bien, ça fait toute la différence aussi. Fait que moi, je vous dirais, si vous avez la chance de le faire, inscrivez-vous. Par rapport au groupe, moi, c'est sûr que des fois, c'est un peu difficile de contaminer nos collègues dans un centre pour toutes sortes de raisons. Mais je pense que là, à nous voir aller pendant un an, ils ont beaucoup plus de questions, ils nous regardent. Je pense que là, il y aurait probablement un engouement pour qu'ils s'inscrivent. Et là, je me demandais par rapport au groupe, est-ce qu'on peut jumeler deux centres de formation ou ça doit rester? On peut jumeler? Oui. Donc, pour faire ton groupe, j'imagine, là, tu disais d'une dizaine de personnes, 8 à 10 personnes, mais est-ce qu'il y a un maximum ou... Il n'y a pas de maximum, mais tu sais, vous l'avez vécu, Nadia, quand on est comme 20 en formation, c'est sûr que c'est plus difficile parce que c'est pas tout le monde qui a le temps de parler. Mais non, il n'y a pas de maximum, là, j'ai envie de dire. Là. Mais je suis d'accord avec toi que ce qui fait aussi une force, c'est qu'on était à peu près ça, hein, 15-20 personnes. Puis les oui, mais on était quand même... À ce moment-là, on était... 5 formateurs, tu sais, ouais. Là, moi, je suis toute seule, fait que déjà, on en enlève 5, fait qu'on était peut-être une quinzaine, j'ai envie de dire, là. Ouais, OK. Bon, mais c'est bon. En tout cas, si vous avez la chance, parlez-en aux enseignants puis participez, là, c'est un gros, gros wow. Hey, ça me touche vraiment, Nadia, d'entendre que vous le refaites vraiment, là, que ça vit, là. En tout cas, je suis vraiment touchée. Merci, Nadia. Caroline, on t'écoute. Oui, bien moi, j'ai la clientèle, là. Je suis vraiment, je cadre parfaitement dans le besoin, la CI en individualisé, infographie, comptabilité et puis secrétariat. Je suis vraiment intéressée. Dans les modalités, juste peut-être me revenir, c'est une première rencontre avec tous les élèves qui participent au programme, un questionnaire d'une heure. En fait, comment ça fonctionne? C'est un questionnaire d'une heure et quart. Après ça, vous mettez en place le programme ou pas, dépendamment de la réalité de votre milieu. Puis à la fin, je reviens collecter des données pour avoir un post-test. Donc, c'est quatre rencontres, quatre formations auprès des élèves. Oui, de une heure à peu près, de une grosso modo. Heure. Une fois par semaine, on fait un retour pendant qu'ils font leurs compétences. Oui, exactement. Puis ça s'intègre bien dans certaines compétences, là, j'ai envie de dire. Puis d'autres fois, quand ils sont en individualisé, bien, ça implique de comme faire un moment où on arrête, tu sais, puis là, on les réunit en groupe, mais ça, c'est riche, là. Ils apprécient ça, les élèves, de se retrouver ensemble pour faire la formation. Puis même s'ils ne sont pas au même moment dans leurs compétences, ça ne change absolument rien. Puis est-ce qu'on peut jumeler des élèves des élèves de comptabilité, secrétariat, ou c'est mieux d'être séparés? On pourrait les jumeler? Non, on peut les jumeler. OK. C'est bon, merci. Je vais communiquer avec toi, Camille. Ben, super! Et Amélie, pour conclure, bien sûr. Oui, ben oui, évidemment. Encore moi. Oui, bon, là, je vais essayer de gérer mon commentaire puis de ne pas tomber dans l'éternel éditorial que j'ai déjà fait très souvent. La diade enseignant orthopédagogue, je trouve ça hyper intéressant. Qu'en est-il pour les centres de services scolaires où il n'y a pas d'orthopédagogue en FP? Est-ce que là, à ce moment-là, un jumelage est possible avec un ou une CP? OK, d'accord. Oui. Merci. Puis là, bien, je m'excuse, vous me voyez, là, mais je ne trouve plus mon petit PDF. Là, je ne sais plus c'est où je l'ai mis. Fait que aussitôt que je le retrouve, je vous glisse ça dans la conversation. Mais fait que je vais rester pendant votre rencontre un petit moment, mais c'est pas parce que je veux parler. C'est vraiment juste pour essayer de glisser mon PDF que je ne trouve plus. Là. Est-ce que Amélie, est-ce que, pas Amélie, mais Camille, excuse, c'était pas Amélie. Camille, est-ce que c'est le PDF où c'est écrit en bleu et en rose? Là? Oui! OK, bien, on l'a dans le document collaboratif. Ah oh, bon, super! Mais tu peux quand même,
Oui, ça va être quand même plus facile. Moi, j'ai pris des captures d'écran. Fait que il n'y a pas de stress si tu ne le trouves pas. On a une trace, mais sinon, ça va être plus facile avec les PDF. Oui, c'est ça. Mais tu peux rester aussi avec nous, là. On est content que tu sois là. Puis est-ce que, puis moi j'ai une petite question d'ordre plus personnel, Camille. Est-ce que c'est vraiment dans secrétariat, comptabilité, gestion, on n'est pas en réfrigération ou en soudage qui sont en Mais individualisé où il y a beaucoup de lectures à faire? Parce que c'est moi, mon j'aurais vraiment, rêve. mais j'ai vraiment des preneurs, moi. Je suis sûre Mais j'ai des c'est mon preneurs. rêve d'aller en REF, là, tu sais, j'ai un amour pour ce programme-là. Ils peuvent participer à la formation, mais j'irai pas collecter des données auprès de leurs élèves. OK. Et cela dit, ils peuvent le mettre à l'essai s'ils veulent. Là, moi, j'avais des gens en production horticole, là, qui ont participé à la OK. formation, qui vont le mettre à l'essai. Parfait. Merci beaucoup. Bienvenue. Et Roxane? Bonjour. C'est sûr que c'est très intéressant. Moi, je me demandais, est-ce que ça se fait autant à distance qu'en présentiel? Parce que en te mettant en contexte, nous, on a beaucoup d'élèves qui sont à distance dans nos programmes individualisés. Oui, ça fonctionne aussi à distance. L'enjeu, c'est pour collecter des données, ça implique nécessairement qu'ils se présentent au centre OK. pour passer le questionnaire, mais le programme se déploie bien à distance. Ça a été expérimenté, ça aussi, dans le cadre du projet de recherche de la professeure Dubo. Fait que ça se fait, oui. OK. Puis la période de temps, si juste pour donner une idée, pour toute l'expérimentation, ça prend combien de temps? OK. Dans le fond, le pré-test, post-test, on parle de 1 heure à 1 heure et quart. Les ateliers, c'est 1 heure chacun, donc fois 4 heures. C'est un atelier par semaine, donc pendant 4 semaines. Fait que je vous dirais que moi, je viens la semaine d'avant, je viens la semaine d'après. Si la semaine de relâche tombe pendant ce temps-là, on s'organise, là. Fait qu'en gros, c'est 6 semaines. Puis en termes d'investissement de temps pour les élèves, on parle d'un 7 8 heures, grosso modo, là, mettons qu'on prend aussi les périodes de transition. Pour les enseignants, ça implique en plus une journée de formation, puis une préparation des ateliers, là, quand même, là, qui est, je vous dirais, là, la dyade fait en sorte que cette préparation-là est accélérée, mais il faut quand même avoir un peu de temps, là, pour préparer nos ateliers. Fait que c'est pour ça que quand c'est pas le bon moment de le mettre en place, moi, j'ai envie de vous dire, devenez un milieu témoin, tu sais, pour avoir la formation que je vous offre, quitte à le mettre en place l'année prochaine, mais à me donner accès aux élèves. OK, merci. Et merci à vous. Donc, bien, merci beaucoup, Camille. Merci Merci. à tout le monde d'avoir posé des bonnes questions. Ça fait juste nous aider. Donc, on serait rendu au point réflexion sur le rôle des parents en formation professionnelle. Donc, je ne sais pas si dans vos milieux, qu'est-ce que vous faites avec les parents, avec les jeunes, qu'est-ce qu'il y a comme accompagnement, qu'est-ce qu'il y a comme suivi? On avait, ben, les Karines ont placé des questions, là, quelles sont les initiatives en CFP pour les moins de 21 ans, pour les majeurs, quels sont les éléments considérés pour impliquer les parents dans la démarche scolaire de son enfant. Fait que vous voyez, là, il y a comme un tableau, là, il y en a un qui bouge, éléments dont on peut parler aux parents, éléments où on ne peut pas parler aux parents, quels sont les encadrements légaux sur lesquels vous basez votre réflexion. Donc, on veut vous entendre un peu sur qu'est-ce que vous faites finalement avec les parents de vos jeunes de moins de 21 ans. Moi, je peux déjà vous dire que chez nous, depuis 2 ans, je crois, on fait des rencontres, des soirées d'information avec les parents. Une fois que les jeunes sont inscrits, les parents de moins de 19 ans, nous, on s'est enligné comme ça, viennent parce que, entre autres, l'an passé, on avait 97 jeunes de moins de 18 ans qui étaient inscrits en formation professionnelle. Là, ça exclut mes concomitances, là, vraiment en FP. Fait que c'était donc une année vraiment record pour nous. Et on a fait venir les parents. Et sur 97 jeunes inscrits,
Nous avons eu 92 parents qui se sont présentés. On ne s'y attendait pas du tout. Et donc, on était l'équipe, toutes les équipes enseignantes de tous les départements qui étaient représentés par les jeunes étaient présents. Et les quatre directions étaient présentes aussi, dépendamment du département. Et on a fait vraiment la différence que nos jeunes vivent en lien avec le secondaire versus la formation professionnelle au niveau des résultats, au niveau de l'importance du métier. Bref, c'est toutes des choses que vous savez déjà. Moi, j'ai parlé aussi au niveau des mesures adaptatives, du suivi, de la transition entre le secteur des jeunes, le secteur adulte. Donc, nous, chez nous, c'est ce qu'on fait maintenant. Puis, on se rend compte que, tu sais, je ne sais pas si ça a été une bonne publicité aussi, mais c'est revenu. Là, on a vraiment beaucoup de jeunes là, qui viennent chez nous. Puis on parle aussi de tout le code de vie. Fait que c'est vraiment une rencontre qui est dynamique. Et on a invité aussi cette année des jeunes qui ont traversé ça, puis avec des parents qui sont venus faire des témoignages aussi. Donc, ça a été notre façon à nous dans les Bois Francs. Donc, je passe la POC à la belle Roxane. Wow, je trouve ça vraiment, vraiment cool comme initiative, là, ce que vous avez fait. Puis, en fait, ça a été fait avant l'entrée scolaire? Non, j'ai peut-être manqué ce petit bout-là. Ça a été fait au début de l'année? Oui, en fait, nos élèves se sont inscrits, arrivent au mois d'août, exemple, là, et on a fait ça une semaine et demie après l'entrée scolaire. Il faut savoir aussi qu'on fait, comme probablement chez vous aussi, des soirées d'information où les parents viennent déjà, mais là, ils ne savent pas trop si leurs jeunes vont être inscrits, nanana. Fait qu'on fait vraiment ça, puis on se rend compte là, que ça répond vraiment. Puis ce dont j'ai été le plus surprise, c'est de voir leurs jeunes accompagner leurs parents, tu sais. Oh, fait que, tu sais, quand on a eu 92 personnes, on s'attendait à avoir pas autant de monde. Puis il y avait vraiment beaucoup trop de monde. Fait que les jeunes accompagnaient leurs parents. Puis à la suite de ça, quand tout a été fini, on cadre ça dans 45 minutes. Puis après ça, les parents vont visiter l'atelier, vont visiter son coffre à outils, puis vont visiter le magasin. Puis fait que c'est vraiment une belle rencontre, là. Puis même si on a des entrées, exemple au mois de novembre, où on a des entrées moins nombreuses, même si on a deux élèves de moins de 19 ans, on tient la soirée pareil parce qu'on trouve que c'est important. Puis souvent aussi, comme chez vous, on a des jeunes des fois qui arrivent de l'extérieur. Fait que cette année, ce qu'on va mettre en place pour notre soirée aux parents, c'est qu'on va faire venir aussi des organismes lors des soirées d'information, puis lors des soirées avec les parents, on va faire venir des organismes de la région, comme Cuisine Populaire, pas Cuisine Populaire, mais Cuisine Communautaire, différents organismes qui pourront peut-être venir en Carrefour Jeunesse Emploi pour dire, pour faire le budget et tout ça. Fait que, tu sais, c'est. Je pense que ça peut être vraiment intéressant là, de la couleur que vous le faites. Là. Parfait, parce que, tu sais, c'est ça, comme tu dis, il y a les soirées d'information qui sont toujours là, mais bon, là, à ce moment-là, ils ne sont pas admis. Là. Fait que, tu sais, vous voyez vraiment la différence entre les deux. Tu sais, c'est complètement autre chose là, de ce que je perçois. Là. Fait que je pense que ça peut être. Ça doit être vraiment riche. Là. J'adore l'idée. Puis, ça fait un lien un petit peu avec ce que je voulais nommer. Bien, d'abord, je peux dire, de notre côté, dans notre centre à Québec, au niveau parents, en fait, c'est quelque chose, moi, que j'entends de plus en plus de la part des parents. Quand j'ai à m'adresser à des parents, ils me le nomment. Ils me nomment, bien, tu sais, moi, quand mon jeune était au secondaire, je le suivais beaucoup, je surveillais ses travaux, ses devoirs, ses résultats, mais là, j'ai plus accès à rien. On n'a plus de communication avec personne. Fait que je pense que c'est un besoin des parents, là, d'être davantage en lien avec le réseau scolaire de leurs jeunes. Habituellement, moi, je demande toujours à l'élève s'il est en accord à ce que je puisse échanger avec ses parents, puis j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Les élèves sont toujours très ouverts à ça, qu'on puisse en discuter, puis pour favoriser sa réussite. Fait que de notre côté,
c'est pas un enjeu d'avoir l'accord de l'élève, peu importe son âge, je dirais. On n'a pas de règles préétablies, tu sais, que à partir de tel âge, on doit absolument leur parler ou pas. On y va vraiment au cas par cas. Puis, on fait des petites rencontres de suivi, des appels aux besoins là, selon le dossier de l'élève. Et que ça se passe quand même bien. Puis, ce que je remarque, c'est que les parents l'apprécient beaucoup. Et ça nous aide beaucoup également parce qu'on a un bout où on n'a plus de contrôle une fois qu'ils sont à la maison. Puis, c'est faux de penser que parce qu'ils sont en FP, ils n'ont plus besoin de support rendu à la maison. Fait que nos élèves en difficulté, quand on leur donne des petits mandats, des choses qu'ils doivent faire à la maison, bien, s'il n'y a pas encore quelqu'un en arrière, des fois, ça se produit pas, là. Donc, puis moi, ce que je demande parfois aux parents, c'est d'accompagner, mais tu sais, d'espacer de plus en plus, là. Fait qu'au début, on tient la corde proche-proche, puis on donne du lousse, puis... ça se passe quand même bien à ce niveau-là. Fait que je ne sais pas si ça répond au questionnement du tableau là, que j'avais lu rapidement. Il n'y a pas de distinction entre mineur et majeur. C'est ça. Puis, ce que ça m'amène à amener aussi comme point, ce que Nathalie, tu nommais, dans le fond, hier, on s'est rencontrés en sous-groupe là, pour le comité Synergie, puis on a parlé... de la thématique des... Il y avait Nadia qui était là aussi. Tu pourras compléter, Nadia, si j'oublie des trucs. Mais on parlait des transitions scolaires. Donc, à quel point, tu sais, en FP, c'est pas très harmonieux là, dans certains centres. Là. On possède pas toutes les informations et tout ça. Puis bon, on essaie de travailler sur des outils ou des stratégies à mettre en place pour que ce soit mieux, finalement. Puis il y a une des stratégies qu'on a décidé de mettre en place en petite équipe, ce serait de bâtir des petites capsules, du moins une première capsule d'information. Puis on se questionnait, est-ce que ce serait pertinent de le déposer sur le SRAF où on expliquerait davantage l'AFP. Ce qui fait en sorte que quand le jeune ou moins jeune s'inscrit, ben, il est déjà au courant de, en FP, le fonctionnement, à quel point c'est différent de la FGA ou du secteur jeune. Fait que ça pourrait peut-être aussi répondre là, à des questionnements de parents. Mais il n'y a rien comme une rencontre en présentiel. Là, je le vois vraiment comme deux choses, là, mais ce serait le plus en lien avec quand je veux m'inscrire en FP, finalement, à quoi ça va ressembler. T'sais, je vais arriver, je vais fonctionner en compétences. Je vais devoir avoir 85% à mon examen. Je n'ai jamais eu ça, moi, comment ça fonctionne. Donc, fait que ça, c'est une des petites choses qu'on souhaite bâtir dans les prochains mois. Donc, s'il y en a qui sont intéressés aussi, s'il y a déjà des choses, c'est ce qu'on se disait aussi, s'il y a déjà des choses qui se font, je sais qu'il y a certains comités là, de transition dans les différents centres de services, mais juste, il faut qu'on travaille en double, il faudrait s'en parler. Voilà. Ben, Roxane, moi, je vais juste prendre la parole tout de suite parce que ça n'aura plus rapport si j'attends mon tour de... Il va y avoir quand même, là, le ministère est en train de travailler, ils nous ont interpellés. Ils travaillent à faire des fiches qui vont venir traiter des transitions. Fait que quelque part, ça va peut-être vous soutenir. Vraiment, c'est quoi la différence justement entre la formation générale adulte, la formation professionnelle, le secteur jeune, l'AFP, le secteur jeune, l'AGA, les initiatives qui peuvent être intéressantes, mais aussi cette espèce de tableau comparatif-là, là, dont tu parlais, ça va être mis en œuvre, ça s'en vient, on ne sait pas quand, mais ça va sortir éventuellement. Il y a quelqu'un qui a écrit dans le tableau, on demande l'autorisation à l'apprenant. Je veux juste savoir, quand on demande l'autorisation, est-ce qu'on peut communiquer avec tes parents ou s'il y a des cases à cocher pour ça oui, pour ça non, est-ce que c'était juste ma question pour pouvoir l'ajouter dans le tableau? Voilà. Ça pourrait être répondu tantôt si c'est quelqu'un qui a la main levée. C'est moi qui ai écrit ça, c'est juste parce que je n'avais pas fini d'écrire bon, parce que j'écoutais. C'est une très bonne excuse. Très bon. Mm-hmm. Merci, Karine. Karine? Ouais. Oui. Bonjour. Écoutez, moi, je trouve que c'est super intéressant, Roxane. J'aime ça ce que tu amènes, mais je pense qu'il faudrait qu'on se colle beaucoup à la différenciation en FP, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au niveau de l'autonomie de l'élève, moi, ça m'inquiète beaucoup. Tu sais, je vois les élèves, quand ils arrivent en FP, comment ils ne sont pas autonomes, parce qu'au secondaire, on prend tout sous les ailes, puis c'est les parents qui sont impliqués, puis beaucoup les orthos, puis beaucoup...
Et je trouve qu'il manque beaucoup d'autonomie. Fait que j'ai beaucoup aimé que tu fasses la nuance de « faut que ça s'enlève à un moment donné ». Parce que justement, sur le marché du travail, tu sais, le rôle du parent, selon moi, il est de second plan. On continue l'éducation au marché du travail, mais en même temps, il ne faut pas pallier à... Puis je comprends que nos élèves sont en difficulté, mais je trouve que au secondaire, on les implique tellement pas qu'ils finissent par décrocher de ce qu'ils ont vraiment besoin, eux, puis comment ils peuvent eux-mêmes mobiliser leurs ressources. Fait que je trouve qu'il y a un danger quand même, qu'il faut faire attention, mais puis dans le fond, la façon de le pallier, ce serait justement de faire en sorte qu'avec le temps, bien, on invite les parents à s'estomper, puis pourquoi on leur explique, tu sais, le raisonnement derrière, puis où on veut amener leurs élèves. Fait que je pense que d'un plan d'aide à l'apprentissage, ça pourrait être intéressant, parce que pour moi, c'est une mesure d'aide, ça, que ton parent soit informé. Fait que je pense qu'on pourrait la traiter comme une mesure d'aide, qu'on nommerait explicitement à l'élève, pour que justement lui dire, bien, tu sais, nous, là, dans les mesures d'aide, à un moment donné, on vise ton autonomie. Celle-là, il faut toujours que ta mère te rappelle qu'est-ce que tu as à faire, il faut que tu amènes tes bottes pour aller travailler le lendemain matin. Sur le marché du travail, tu sais, c'est correct que ta mère te le rappelle encore, mais à un moment donné, tu vas sûrement viser à aller en appartement. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a moyen de l'expliquer à l'élève et aux parents pour qu'éventuellement, on se rapproche d'une autonomie qui est beaucoup plus aidante pour l'élève. Fait que je pense que dans les cadres sur les différenciations, je pense que la nuance, c'est qu'il ne faut pas que ça nuise au marché du travail. On pourrait se baser là-dessus pour se dire à quel point ça handicape sur le marché du travail ce qu'on est en train de faire avec le parent, tu sais, comment on implique notre parent. Je sais pas, je réfléchis comme ça, puis je me dis, ben moi, ça serait le bémol que j'ajouterais. Puis une autre façon d'impliquer les parents, peut-être pour les intéresser, nous, ça a tombé avec la COVID, par contre, mais on faisait une remise de diplôme. Puis moi, je trouvais ça tellement dommage. Je ne sais pas comment ça se passe dans vos centres, mais je trouve ça dommage que ce soit un diplôme à rabais, qu'on remet sur un coin de table, le prof avec ses élèves, puis bravo, vous avez fini, puis là, ramenez-moi votre rapport de stage, puis on n'en parle plus. Fait qu'on avait instauré, comme par exemple en mécanique, une remise de diplôme où on invitait les parents. Fait que déjà en partant, les élèves se projettent, hey, mon parent peut être là, et ça donne une implication. Et j'adore ça si on la jumelle avec l'idée de Nathalie de dire, bien, nous autres, on fait des rencontres de parents en début, puis on les tient informés, OK, mais en même temps, on maintient l'autonomie. Puis aussi, on les revoit, les parents, à des moments, parce que nous autres, les autres élèves, le voient, l'impact que, ah, wow, OK, le groupe a fini, ils ont invité leurs parents pour la remise de diplôme. Fait qu'un parent qui a le goût d'être impliqué peut l'être aussi de façon positive puis continuer à soutenir son enfant, là. Fait que c'est un peu les deux choses que je partagerai là, avec vous. C'est pareil. Amélie? Oui. T'as quand même une pause chouchou, toi, hein, je pense. Ben là, excusez, là, c'est ça, je me donne une liberté correct. Aujourd'hui, là. Ben, en fait, puis là, je cherchais, puis j'ai pas retrouvé, fait que là, je vais faire attention à ce que je dis, parce que je veux pas vous induire en erreur. Par contre, nous, je trouve ça super intéressant, là, tout ce que vous avez dit, l'implication des parents et tout. Nous, on s'est vraiment posé une question, tu sais, sur le plan légal, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on doit, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. On a été au CSSDM, on a fait des contacts avec notre bureau des affaires juridiques pour vraiment avoir un petit peu l'heure juste, à savoir, OK, dans nos centres, quand les élèves sont absents, par exemple, s'ils sont mineurs, bien là, les centres informaient encore les parents. C'est-tu correct de faire ça? Est-ce qu'on doit faire ça? Est-ce qu'on ne doit pas faire ça? Est-ce qu'on doit demander à l'élève si on peut faire ça? Fait que, puis là, c'est plate parce que je garoche plein de questions auxquelles je ne vous donnerai pas explicitement les réponses parce que, comme je vous dis, je n'ai pas retrouvé le document qu'on avait reçu de notre bureau des affaires juridiques, puis je ne veux pas vous induire en erreur. Mais nous, on a vraiment eu ce questionnement-là parce que dans certains dossiers, c'est effectivement très, très, très aidant que les parents soient présents. Dans d'autres, ben, nous, tu sais, il y a des situations des fois où un élève ne souhaitait pas que son parent soit impliqué, soit informé, mais n'osait pas le dire devant son parent. Donc là, tu sais, il y a tout ça aussi là, un petit peu à gérer. Donc nous, on s'est vraiment questionné à savoir, OK, sur le plan légal, c'est quoi les nuances par rapport, tu sais, en formation générale des jeunes où il y a de l'obligation de fréquentation scolaire? Là, en FP, on n'est plus dans cette réalité-là. Donc, tu sais, je reviens avec mon exemple des absences. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on doit? Est-ce que oui, mais... Donc, bref, il y a tout cet aspect-là légal que nous, on a vraiment questionné, en fait, pour, tu sais, pour que ça puisse nous servir de référence quand justement on se retrouve dans des situations où un élève ne veut pas que son parent soit informé, qu'il ose le dire devant son parent ou pas, puis peu importe pour quelle raison. Fait que je voulais juste peut-être ajouter cette petite nuance-là, puis c'est peut-être un petit peu contraire à l'intention de la question initiale, c'est-à-dire que nous, des fois, on s'est retrouvés dans une situation où on a questionné le trop d'implication de certains parents dans certains dossiers. T'sais. Dans certains cas, il y a
des directions qui communiquaient directement avec les parents plutôt que de passer par l'élève. Puis là, je veux dire, ça, c'est problématique là, pour plein de raisons. Fait que cette vigilance-là, pour moi, c'est comme important aussi de l'avoir sur le plan légal, puis pour préserver aussi la relation avec l'élève, puis par rapport à l'autonomie aussi, comme Karine disait. Donc, voilà. Je suis désolée, je prends encore la parole pour faire du pouce parce que on a eu cette réflexion-là. Je vois que Marc Brisson est là. C'est une réflexion qu'on a eue et qu'on a soumise à nos supérieurs au ministère de l'Éducation, à laquelle ils n'avaient pas de réponse. En fait, tu sais, les gens, probablement que ça s'est déjà questionné dans d'autres sphères, mais les gens avec qui on fait affaire, ils ont fait comme, ben, c'est-tu comme dans le milieu de la santé, c'est-tu 14 ans, c'est, même eux n'avaient pas cette réponse-là de façon claire, automatisée et instantanée. On les a questionnés parce que un jeune qui a 16 ans, il peut être la veille au secteur jeune, le lendemain à la FGA. La veille, c'est le parent qui reçoit le bulletin et après ça, le parent n'a même pas le droit de savoir si l'élève est présent ou absent. Fait qu'en fait, ce qu'ils se sont rendus compte quand on leur a parlé de ça, c'est que c'est vraiment à géométrie variable. Tu sais, c'est ce qu'on leur a dit. Tout le monde cherche l'information, personne ne la trouve. Donc, on y va vraiment selon notre bon vouloir. Là, je vois que vous avez développé quelque chose au CSSDM. Amélie, j'aimerais vraiment ça si tu veux nous faire suivre le document, ou si c'est pas secret. Ou, moi, je prétendrais pas qu'on a développé quelque chose. Là. Mais ça serait intéressant. Mais sachez que si vous avez des réflexions qui ont été entamées, ça serait intéressant que vous les communiquiez ou si ça donnait lieu à des documents. Ça serait vraiment intéressant parce que c'est une question dont on veut savoir si vous avez trouvé. Tant mieux, nous, à date, non. Fait que voilà, c'était juste dire que c'est ça. C'est normal si vous ne savez pas, puis c'est normal pour un moment que ça soit géométrie variable parce qu'on n'a pas une information très claire là-dessus. Mais je vais, excuse-moi, je n'ai même pas levé ma main, là, je me garoche. Juste te dire, Karine, je vais regarder, puis on pourra s'en reparler là, quand je retrouverai là, les écrits qu'on avait là-dessus. Merci. Donc, juste pour faire, moi, j'ai marqué toutes sortes de choses là, dans les mineurs, mais pour faire suite à ce que tu nommais, là, Karine Morin et Roxane, là, nous, ce qu'on a fait aussi, tu sais, je trouve l'idée des capsules super intéressante. Ce qu'on a fait aussi chez nous, c'est depuis plusieurs années, moi, je fais venir tous mes conseillers d'orientation du secteur des jeunes et de la FGA, puis je leur dis toujours, vous venez dans notre centre avec un cas d'élève. Tu sais, donc, puis vous venez faire, on leur donne aussi la possibilité de venir faire des testés sur les pros ou testés sur les profs ou testés sur les directions. Tu sais, on a overdosé le testage, là. Donc, puis on fait ça à toutes les deux ans. Donc, une année, c'est les CO, l'autre année, c'est tous les psychologues, les psychoéducateurs. Hein, l'autre année, c'est tous les orthopédagogues. Fait qu'on alterne comme ça régulièrement. Donc, ce partenariat-là entre chez nous, le centre de service, bien, c'est déjà bien réseauté, on se parle déjà, les dossiers suivent, c'est toute une poutine, les 3810 suivent sans aucun problème, mais toujours en nommant, comme Roxane, tu le nommais toi aussi, puis Karine Morin, travailler l'autonomie de ces futurs apprenants-là. Donc, j'ai marqué plein de choses, là, mais si jamais vous avez des questions, là, n'hésitez pas, là, je vais laisser mon adresse courriel. Puis je vais en profiter aussi pour m'éclipser de façon subtile, mais je vous souhaite à tous et à toutes je vous souhaite à tout le monde une très, très belle journée, une belle fin de semaine des enseignants. La semaine prochaine, la semaine de la persévérance scolaire. Alors, on est directement touchés par ça. Donc, je vous souhaite à tout le monde une belle semaine. Puis, Richard, à ta manière. Fait que je t'embrasse et je te souhaite bon succès dans ta carrière de retraité. Mais il y a comme quelque chose qui me dit qu'on va se revoir éventuellement. Ouais, ça se pourrait. On va peut-être le provoquer. Ouais, ouais. Fait que merci infiniment à tout le monde. Si vous connaissez des gens qui sont orthopédagogues puis qui ne sont pas encore dans notre groupe Let's Go, invitez-les. Puis moi, Nadia et Jessica Lemay, là, on va les accepter avec grand plaisir. Donc, merci tout le monde. Merci, Karine, de reprendre le relais pour la prochaine demi-heure. Très plaisir. En fait, là, je vois qu'Amélie aussi s'en va. Amélie, je déplace tout de suite après la rencontre, je déplace ton point comme
premier point de départ pour notre prochaine rencontre. Ça nous fera plaisir. Ben, c'est gentil, merci. Ça Puis là, je veux dire, ça pourrait être le quatrième point là, la prochaine fois, c'est pas grave. Donc, c'est dangereux qu'on le repousse toujours puis qu'on le voit en 2032. Ça. Il y a des choses comme ça des fois. Bye! Je vous invite, si vous voulez poursuivre la discussion à propos de des initiatives des parents ou des initiatives des milieux pour intégrer les parents avec nos élèves en FP, soit aller remplir le tableau, soit prendre la parole maintenant, on va l'ajouter. Étant donné qu'il y en a peut-être qui vont être coincés dans la même situation que Nathalie et que Amélie, je vais tout de suite aller faire le point 6, puis on va revenir tout de suite après pour la discussion autour des parents. Juste vous dire que cet après-midi, c'est ça, oui, ben en fait, ce midi, là, tout de suite après l'heure du dîner, cet après-midi, on a un webinaire sur les compétences socio-émotives intégrées à l'apprentissage. C'est Claire Beaumont qui vient nous animer ça. Et je pense que, là, peut-être que Richard est au courant, il me semble que c'est ce webinaire-là qui ne sera pas disponible en rediffusion très longtemps. Donc, il va être disponible, mais je pense que c'est ça, c'est 30 jours seulement. Fait que si vous avez un petit trou à faire à votre horaire, c'est dans les 30 prochains jours, cet après-midi idéalement, si vous voulez participer activement, sinon dans les 30 prochains jours, parce qu'il ne sera pas en rediffusion à long terme, celui-là. Sinon, le 20 février, intervenir sur les comportements difficiles, où c'est une TES qui va venir nous parler de vraiment, là, pas de la gestion de classe au complet, mais comment j'interviens directement avec les élèves qui ont des comportements un peu plus délicats, donc de 9h à 11h, le 20 février, et notre prochaine rencontre, le 20 avril, là, il va y avoir des fleurs, on va voir du gazon, voir qu'il y en a plein, peut-être, qui voient déjà du gazon chez eux. Ça a l'air que la pelouse est restée à la mode cet hiver. Donc, prochaine rencontre, le 16 avril, de 13h à 14h. Et Karine, si je pour le... Oui, vas-y, Charles. Pour le webinaire, comme l'avenir est incertain, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'enregistrement, je ne le montrerai pas, je vais le déposer directement sur le site des après-cours. Comme ça, vous allez pouvoir l'avoir tout de suite, peu importe ce qui arrive demain matin. Merveilleux. Mais il ne sera pas chapitré, il ne sera pas monté, il va être comme ceux qui l'ont et qui ont participé. Ça va être un avant-goût de notre nouvelle vie. Donc, est-ce qu'il y en avait qui voulaient reprendre la parole? J'ai vu tantôt, Roxane, tu avais encore la main levée par rapport à la réflexion qu'on avait autour du rôle des parents en fait. Oui, mais en fait, je voulais juste revenir là, par rapport à ce que Karine Morin avait mentionné. Fait que, en fait, on n'est vraiment pas, quand je parlais du lien qu'on avait avec les parents, là, ma phrase préférée, c'est toujours de préparer l'élève au marché du travail. Fait qu'on est loin, du type de support qui peut être offert là, quand l'élève est au secteur jeune. Fait qu'on fait vraiment bien la distinction là, pour favoriser l'autonomie de l'élève. Fait que oui, il y a de l'estompage, mais même au départ, ce qu'on demande, c'est quand même déjà loin du type de soutien que le parent offrait au secteur jeune. Je pense que le parent a surtout besoin, l'élève a surtout besoin parfois d'un lien qu'on a avec le parent qui peut rester en backup, si vous me permettez, là, pour des besoins qui pourraient arriver particuliers. Mais tu sais, sinon, je pense que l'élève, il réalise quand même assez rapidement qu'il se retrouve, tu sais, t'es un adulte maintenant et tu dois te gérer à l'école. Là. Je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui le vivent assez drastiquement. Là. Fait que je pense que ça sont baignés là-dedans. Fait que je voulais juste apporter la nuance là, qu'on n'est vraiment pas comme au secteur jeune. Là. Ça se fait de façon très différente. Là. Puis je pense que c'est important aussi là, de garder ça en tête. Cette idée-là, je l'ai ajoutée en dehors du tableau parce que des fois, j'avais de la difficulté à aller placer dans le tableau les éléments, mais je suis sortie du tableau puis je l'ai mis, là, cette petite considération-là que je pense qu'on a tous, mais des fois, on se lance dans l'action puis on l'oublie. Oui, Marc? Le sujet m'intéressait, là, c'est pour ça que je suis venue, Karine. Puis quand je vous entends parler, je me demande, tu sais, les collaborateurs, tu sais, en étant orthopédagogue, vous parlez du lien avec les parents, mais c'est comment dans vos milieux ça se passe, les collaborations pour aller vers les parents. Tu sais, vous avez parlé du début de, tu sais, quand ils arrivent à l'accueil, là, Nathalie a donné l'exemple de, ils viennent à une rencontre, mais pendant tout le processus, la collaboration avec les parents se passe comment? Se passe en premier lieu par les enseignants qui collaborent avec les élèves, puis après vous rentrez en ligne de compte, ou à titre d'orthopédagogue, vous êtes les premiers acteurs, ou il y a d'autres personnes là, qui interviennent avec les parents. Comment ça se passe dans vos milieux? Puis moi, je pense que c'est une clé importante à notre interaction avec les parents, puis des rendre de plus en plus autonomes.
Oui, Roxane. De notre côté, en fait, c'est vraiment, ça passe essentiellement par les services complémentaires. Donc, chez nous, il y a moi et la psychoéducatrice. Ce ne sont pas les enseignants qui vont discuter avec les parents, sauf si c'est quelque chose qu'on décide pour un élément en particulier dans le suivi de l'élève. Mais c'est déjà arrivé, en fait, qu'on se retrouvait à se dédoubler aussi là-dedans, les enseignants. Commençait à interagir avec un parent, puis moi je le faisais aussi, mais on ne le savait pas. Fait qu'en tout cas, on s'est comme donné comme ligne de conduite de garder ça pour effectuer les contacts, là, de garder ça du côté des services avec les parents. Ceci étant dit, ça n'exclut pas, là, comme je dis, que pour un besoin particulier, ça, le parent pourrait avoir à communiquer avec l'enseignant, là, mais. Ou la gestionnaire ou les professionnels reliés au SARCA, est-ce que ça part, il y a de certains milieux que les gestionnaires exigent d'être informés quand il y a des liens avec les parents. Dans votre milieu, c'est pas comme ça que ça se passe, là. C'est ça Non, que dans notre j'entends. milieu. Ouais, puis il y a également les conseillers d'orientation là, qui peuvent avoir des contacts aux besoins, mais non, en fait, nous, c'est noté, c'est saisi. Dans notre système, ce qu'on fait comme communication. Puis, au besoin, on va en discuter avec la direction. Mais non, il n'y a pas. Quand la direction a à intervenir auprès d'un parent, c'est parce que c'est nous qui lui amenons la situation. Okay, ça ne vient pas de l'inverse de dire OK, les parents ont communiqué avec la gestion, intervenez. C'est les parents qui communiquent avec les professionnels. Là. Il doit y avoir un enjeu aussi. Vous avez nommé, tu as nommé psychoéducateur au conseil d'orientation avec l'ordre professionnel parce que vous avez parlé de confidentialité ou les autres. J'imagine que ça aussi, ça amène des enjeux dans votre milieu, ça aussi. Oui, auprès de la confidentialité, mais nous, on travaille en équipe multi, fait qu'on est capable de juger ce qu'on doit se dire ou ne pas se dire, là, fait que ça pose pas de problème de ce côté-là. Habituellement, c'est souvent nous là, qui devons initier le contact avec le parent. C'est rare que c'est l'inverse là, aussi. Là. C'est rare que c'est le parent qui appelle au centre pour dire « je veux parler à quelqu'un ». Ça arrive, là, comme petite anecdote, la semaine dernière, il y a une maman qui a téléphoné au centre, mais ça démontre à quel point elle n'avait pas l'information de comment ça fonctionne en FP, mais elle appelait en disant mon garçon m'informe qu'il y a toujours 78% puis que ça prend 80% pour passer. Est-ce que ce serait possible, s'il vous plaît, d'arrondir pour le mettre en succès? T'sais? Parce qu'il n'y a jamais eu ça, 80%. T'sais. Fait que, bon, c'est une anecdote, mais tu sais, ça démontre quand même qu'il y a un manque d'informations sur comment ça fonctionne en FP. Mais tout ça pour dire que c'est à 98% du temps, c'est nous qui initions le contact quand on en ressent le besoin. Comparativement à l'exemple de Nathalie tout à l'heure, où là, en les invitant après, ça doit augmenter le nombre d'interactions que les parents, parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils peuvent demander aussi, là, j'imagine. Avec l'exemple que Nathalie Matos a donné. Peut-être, puis peut-être qu'en même temps que ça en rassure tellement plusieurs qu'ils ne ressentent pas le besoin non plus par la suite là, d'interpeller le centre. Fait que je pense que ça doit avoir les deux côtés de la médaille, là. Moi, j'ai envie de poser une question. Qui ici s'est jamais posé ces questions-là? Tu sais, on demande ben, qui dans notre milieu interpelle les parents? Est-ce que c'est une question que vous vous étiez posée? Est-ce que vous vous êtes attardé à ça dans votre milieu ou ça va dépendre qui a besoin? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous êtes attardé? Vous entendez les gens dire ben, comment on fonctionne au niveau des absences? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a interpellé, sur laquelle vous avez posé une réflexion ou là on vient vous amener des pistes de réflexion? On dirait on n'a jamais pensé à ça, nous autres. Ben, ça dépendait, le parent, ça dépendait qui contactait. Des fois, si tu appelles telle personne, tu vas obtenir une réponse, l'autre va garder ça confidentiel. Est-ce que c'est une réflexion qui avait déjà été poussée dans vos milieux ou si c'était vraiment à géométrie variable selon qui reçoit l'appel, qui y répond? Voilà, j'ai envie de vous poser cette question-là parce que ça se peut qu'on aille donner un coup de pied dans un nid de fourmis pour certains. Là. Oui, Karine?
Bien, c'est moi, je pense que d'autres, on ne s'était pas posé de questions, mais quand il arrivait un besoin où le parent avait besoin de clarification ou quoi que ce soit, on répondait à ce besoin-là. On les invitait par contre à la remise de diplôme. Puis, effectivement, tu sais, quand tu parles, est-ce que ça ouvre un... Tu sais, moi, je pense que c'est important qu'ils soient bien informés. J'adore l'idée des capsules d'information sur comment ça marche, tu sais, parce que même les gens au secteur jeune ne savent pas comment ça marche quand ils envoient leurs élèves. Fait qu'imaginez les parents, comment ils sont déconnectés, tu sais. Puis, je pense que nous autres, quand on avait les parents qui étaient impliqués, c'est parce qu'on avait besoin du soutien des parents pour soutenir l'élève. Mais il y en a beaucoup pour qui ce n'est pas nécessaire. Fait que je me questionne effectivement sur... Est-ce que, tu sais, puis peut-être que, tu sais, vous avez des... Tu sais, vous autres, vous le vivez, là, vous le faites systématiquement. Mais je me dis, est-ce qu'effectivement, ça répond à un besoin? Si ça ne répond pas à un besoin, puis qu'on n'a pas, tu sais, on ne voit pas les effets de cette collaboration-là comme étant positive, je ne vois pas non plus, comme, tu sais, pourquoi tout changer ou créer nécessairement un processus pour ça. Mais en même temps, ce serait bien de savoir c'était quoi les retombées. Est-ce que, tu sais, mettons comme Roxane, tu sais, avant de le faire ou après de le faire, est-ce que vous avez vraiment eu un impact sur la réussite des élèves en impliquant les parents ou non? Tu sais? Puis là, on parle des élèves en difficulté, on ne parle pas de tous les élèves nécessairement. Ou, tu sais, fait que c'est là, je pense, que ça serait intéressant de voir parce que c'est sûr que si on se fait la recherche, c'est important d'impliquer les parents, mais est-ce qu'à un moment donné, à un certain niveau où ce n'est plus nécessaire, ces recherches-là sont souvent secondaires, peu ou en FP? Fait que, tu sais, moi, je serais prudente, en fait, avant de... Parce que tu as des parents aussi qui ne laissent pas de place à leur élève, tu sais, comme Amélie, tu amenais tantôt, je pense qu'elle est partie, ou... En tout cas, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je trouve qu'il y a ça aussi qu'il faut réfléchir pour garder l'autonomie de l'élève, puis en même temps, pour que ça réponde à un réel besoin. Pas juste pour qu'on ouvre parce que ça prend la collaboration des parents. Il faut que ça ait une plus-value sur la réussite de nos élèves, sinon... Ça veut dire que ça fonctionne, tu sais. Fait que je pense qu'il faut évaluer ça avant de l'implanter partout, tu sais. Il y avait une marque. Ben, en fait, moi, je trouve ça super intéressant, les capsules. Sachez que moi, je suis très, très intéressé avec ça. On verra aussi avec le comité là, que Karine Martin disait, avec les fiches, est-ce que ça va nous permettre de transmettre l'information? Puis vous nommez parents beaucoup, puis en t'écoutant parler, je me disais, OK, oui, mais en FP, c'est peut-être personnes significatives aussi auxquelles il faut penser. Est-ce que c'est juste les parents ou c'est les personnes significatives auprès des adultes qui veulent soutenir ces adultes-là? Donc, il y a toute cette dynamique-là aussi à penser parce que, ben, il y a d'autres personnes des fois qui veulent avoir l'info ou qui veulent aider. Donc, les capsules pourraient être très, très intéressantes pour faciliter cette transition-là, soit, oui, de la FJJ vers la FP, mais tu sais, quand on vient vers du marché du travail puis on vient à FP, ben, tu sais, une capsule pourrait être intéressante. Puis, Karine, pour répondre à ta question tout à l'heure, je pense que c'est toute une question d'harmonisation des services. Donc, la réflexion à dire, ben oui, on se questionne à savoir quelle information on donne, puis de quelle manière on peut le donner, puis comment on peut optimiser cette interaction-là avec le réseau de l'adulte là, pour faciliter sa réussite. Donc, je voulais juste ajouter ça. Merci. Roxane? Moi, c'est ça. Donc, pour répondre à ta question, Karine, c'est sûr qu'on a déjà soulevé la question. C'est surtout pour les élèves qui avaient des absences au centre. Puis, on se met toujours en contexte, justement, comme on disait, est-ce que les parents ont vraiment un droit de savoir tout ce qui concerne le dossier scolaire de l'élève en étant mineur, mais en FP, puisque je souvent la réflexion de « mais moi, quand j'étais au cégep, j'avais 16 ans, mes parents n'étaient pas au courant de mes absences, j'étais à 6 heures de route de mes parents 16 ans, donc connaissaient aucunement rien de mon parcours scolaire. » Donc souvent, la ligne est comme secondaire, FP, FP, cégep, on a l'âge du cégep, mais on est traité comme les adolescents du secondaire. Donc la ligne, je trouve et comme apporte à réflexion. Puis, comme disait Roxane dans le chat à côté, moi, mes expériences, c'est beaucoup des élèves justement TSA qui étaient présents à des rencontres de parents. C'est à la demande de l'élève lui-même et de son parent. C'est l'élève qui nous demandait si on pouvait prévoir une rencontre avec sa mère ou en tout cas le tuteur.
pour une rencontre pour mettre au clair son dossier. Fait que c'est ce que je voulais ajouter. C'est sûr que tout ce qui va toucher les absences et la transmission d'informations, là, pour le moment, on n'a aucun document, on n'a pas d'appui légal pour se dire « voici ce qui est écrit, c'est ça que je dois faire », mais c'est important dans nos milieux qu'on ait une ligne de conduite et que ça ne soit pas tout dépendant, c'est quel secrétaire qui répond, le parent, des fois, va avoir l'information, des fois, il ne l'aura pas. Ou, voilà. Je pense que ça prend juste une certaine réflexion de se dire « ben nous, on se base sur le fait que nos élèves ils ont l'âge du cégep, puis fait que voici, on choisit de ne pas donner l'information aux parents ou on choisit de la donner, puis qu'on se tienne à notre cadre, mais il faut avoir cette réflexion-là. » Mais effectivement, Roxane, c'est ce qui rend la chose très difficile. Hein? Je peux avoir un élève de 17 ans qui est mineur, mais qui est l'âge d'être au cégep, puis qui peut, ou là où les parents ne seront pas tenus au courant des absences, mais je peux avoir un élève qui a quelques mois de différence, qui a 16 ans, qui ne recevait pas son bulletin avant, puis qui devait faire motiver ses absences par son parent, puis la semaine d'après, ben c'est le bar à bonbons, tu sais, fait qu'on fait quoi, comment on fait, on assure cette transition-là, fait qu'il y a toute cette réflexion-là, je pense, qui est importante d'avoir pour avoir un repère dans notre milieu, hein, puis entre intervenants, si jamais c'est pas la secrétaire, puis c'est les intervenants entre nous, ben qu'on soit en mesure d'intervenir tous de la même façon en attendant qu'on ait peut-être un document qui nous soutiendra dans nos décisions éventuellement, mais qui sera un petit peu plus, qui aura un cadre un peu plus légal. Là. Dans notre cas, c'est vraiment la direction qui gère les appels de parents. On voit toujours avec l'élève concerné, on l'informe que son parent a appelé, puis on fait vraiment une démarche avec l'élève pour voir, puis ensuite on prévoit une rencontre en ayant l'accord de l'élève, mais c'est plus le mettre en contexte que son parent veut des informations à son dossier. Donc, à partir de ce moment-là, l'élève est concerné, puis le parent et les deux sont ensemble à la rencontre. Merci. Viviane? Oui, bien, en fait, nous, dans le temps où j'étais en FP, ça fait peut-être 2 ans que j'étais un peu moins là, mais j'ai tout le temps un pied dedans quand même un peu. Ce qu'on faisait, en fait, c'est que ça partait d'un besoin, nous, à l'interne, concernant nos élèves, justement, en lien avec les mesures adaptatives. Souvent, on se rendait compte que, bon, il manquait comme un bon portrait de l'élève, tu sais, il manquait quand même une partie de ce qui avait été fait avant tout ça. Fait qu'on avait mis en place une quête d'information au début quand l'élève entrait. Puis, ce qu'on s'était dit, moi puis ma collègue orthopédagogue de l'époque, c'est bien, on fait une lettre qu'on envoyait aux parents d'élèves mineurs ou HDA. Puis, ça explique un peu le processus de justement cette quête d'information-là pour aller chercher, bon, est-ce que cet élève-là avait du soutien, est-ce qu'il y avait des mesures adaptatives, un plan d'intervention ou quoi que ce soit. Puis, bien, on laissait nos coordonnées aux parents. Que si jamais il voulait communiquer avec nous pour être au courant de ce qui se passe. Fait qu'il y avait quand même une porte ouverte pour le parent. L'élève était aussi contacté suite à cette quête d'information-là pour dire, bon, ben écoute, tu nous as répondu telle affaire ou simplement parce que tu es mineur, ben on te propose quand même le service, mais c'est libre à toi. Fait qu'après ça, on a certains parents qui communiquaient avec nous, mais sinon, les élèves, on les rencontrait puis on leur faisait signer un consentement justement à savoir est-ce que tu nous permets de communiquer avec ton parent si jamais il y a des questions ou des trucs comme ça. Puis souvent, c'est là où on discutait avec le jeune de « OK, ben tu consens à ce qu'on communique quoi? » Fait que c'est tes difficultés qui sont rencontrées à l'école, c'est les mesures adaptatives, tout ça. Puis avec le temps, bien, il y a certains élèves pour qui on a dû monter des plans d'aide à l'apprentissage que bien, pour eux, puis c'est leur souhait, bien, le parent était là aussi, puis il signait le plan. Puis c'est sûr que ça dépend tout le temps. Si on veut la collaboration du parent, mais j'ai 2 cas d'élèves TSA. J'en ai une vraiment là qui accompagnait sa fille, tout ça, qui nous donnait beaucoup d'informations. Puis j'ai un autre qui, lui, bien, il a refusé de communiquer toute information en lien avec le diagnostic, ce qui s'était passé, l'historique scolaire de l'élève. Fait que c'est sûr qu'il y a une part où est-ce que ben, l'enfant a consenti oui ou non, mais ça dépend tout le temps de ce que le parent va être à l'aise de nous donner. Fait, en gros, c'était pas mal ça là, de notre côté. Merci. Est-ce qu'elle... De notre côté, il y a plusieurs appels qui se font au centre de la part des parents. Puis c'est souvent de cette façon-là qu'on entre en communication avec eux. Puis c'est malheureusement pour des élèves qui ont beaucoup de difficultés. Quand ça va bien, nous, on n'a pas de mécanisme avec de rencontre avec les parents, mais c'est intéressant tout ce qui a été mentionné, les différentes façons de les rejoindre.
il y a deux situations où, que l'élève soit mineur ou majeur, qu'on est entré en communication, qu'on a travaillé en équipe avec les parents, qui étaient vraiment payants. Au niveau de l'élève, il y avait des gains, là. Il y avait le plan d'aide à l'apprentissage, vraiment, quand l'élève est... Quand on voit que le parent est impliqué, quand l'élève est d'accord, d'impliquer le parent puis de le faire venir, puis entendre les enseignants discuter par rapport à la progression de l'élève, ça, ça a vraiment souvent été pertinent, là. Et parfois, quand les difficultés des élèves EBP sont trop grandes, sont trop importantes, puis que là, on a plusieurs échecs, puis malgré les adaptations possibles, on se rend compte que, oups, il va falloir arrêter la formation. À ce moment-là, le partenariat avec les parents est souvent important parce qu'il accompagne son enfant dans le deuil de l'objectif, de carrière, dans toutes ces démarches-là. Puis, veut pas, le parent va vivre cette transition-là avec l'élève, va l'accompagner. Donc, qu'il soit au courant de ce qui était fait, puis c'est quoi les possibilités. Puis, quand par la suite, on le réfère à un conseiller en orientation pour voir c'est quoi les autres avenues possibles, bien, l'implication du parent est vraiment pertinente. Merci, c'est noté. Il semble que j'avais vu Roxane avec la main levée. Tu l'as pincé, non? Ben, merci beaucoup à tous et à toutes. J'ai vu des marques, j'ai vu que tu as écrit dans le clavardage aussi, des personnes vulnérables impliquent parfois des personnes significatives autres, hein, c'est ce que tu disais, hein, autres que le parent. Oui, effectivement, tout à fait. C'est pas parce que je veux pas que mon parent soit mis au courant qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut prendre la relève à ce moment-là. C'est super. Ouais, ça peut être des tuteurs, ça peut être des, ouais. Tu sais, ça peut être des tuteurs, ça peut être d'autres choses. Puis ça peut être des conjoints où là, le lien familial est cassé avec le réseau familial. Fait qu'il faut pas mettre ça de côté parce que ces élèves-là vulnérables peuvent avoir plein de situations personnelles qui font en sorte que les parents ne peuvent plus être là. Puis les élèves ont besoin de réussir en FP par rapport à ça. Mais on a fait le tour, croyez-le ou non, de l'ordre du jour qui sera disponible si vous en avez besoin. Je vous ai mis un imprimé écran du document de Camille tout à l'heure, puis vous l'avez aussi le déposé dans le clavardage, si vous voulez télécharger avant de quitter, parce qu'après ça, c'est plus difficile. On n'a pas. Ben, je l'ai mis dans la bibliothèque, Karine, puis dans l'ordre du jour aussi. Merveilleux, c'est super gentil. S'il y a quoi que ce soit, vous savez que vous pouvez communiquer avec nous. On se revoit là, c'est 16 avril que j'ai dans la tête. Est-ce que j'ai la bonne date? Oui, on se revoit soit cet après-midi pour ceux et celles qui seront là, sinon le 16 avril. Merci beaucoup.